Good morgen, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui, le Nishmat Dov Ben Yehudit, et Vietar Amam Ben Chadva, si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechat Shabbat, par Yvette Mishnah Gimel, Kola Yotze Minaetz, En Malikin Boe La Pishtan. Le Kola Yotze Minaetz, En O Mitame Tumato Alim, En La Pishtan. Vitilad Beged Shekipela, Velo Yvava. Rabbi Eliezer Omer Temea, Ven Malikin Ba. Rabbi Akiva Omer Tehora, O Malikin Ba. Deux sujets dans notre Mishnah. On continue bien sûr à parler de la Hadlakat, l'allumage des nerouds de Shabbat, en parlant des différentes mèches à utiliser, des différentes huiles à utiliser. On a à présent une Mishnah qui va nous parler, qui va porter sur les mèches spécifiquement. Première partie de la Mishnah, on traduit directement, pourquoi pas. Kola yose minaetz, en medginbo et la pishtan. Tout ce qui provient du bois, des arbres, eh bien, on ne pourra pas allumer avec lui, à l'exception du pishtan, du lin. Phrase bizarre, parce que le lin, c'est pas un fruit de l'arbre, c'est plutôt un fruit de la terre, d'accord? C'est ensemble des épis de blé, beaucoup plus haut. La Mishnah vient en deux mots me dire, tu sais quoi, finalement, on vient conclure ce qu'on avait appris dans la Mishnah Aleph, toutes les mèches invalidées, parce qu'elles ne... Elle n'aspirait pas bien l'huile pour ensuite la brûler. Le principe de la mèche, c'est simple, vous allez dire, hein, une fiole quand on l'allume, eh bien, il y a une mèche qui tire, qui aspire, qui se fait imbiber de l'huile et qui brûle. Et il y a des mèches qui tirent pas bien l'huile, donc ça fait une petite flamme. On a peur que tu vas le pencher pour que ça va augmenter le feu. Ou bien, soit il y a des mèches où, au contraire, ça a tendance à un peu trop... éclater, exploser, je ne sais pas comment dire exactement, mais clignoter. Et dans ce cas-là, on craint de nouveau que ça va s'enflammer, que tu vas l'éteindre. Et voilà, ça c'était pour les mèches invalidées. On conclut toute cette série en me disant, finalement il s'avère que tout ce qui provient des fruits de l'arbre, on avait évoqué plusieurs cas, de toutes sortes de laine, si on peut dire, de laine qui provient de l'arbre, qu'on trouve entre l'écorce et le tronc, eh bien, toutes ces choses-là sont invalidées pour en faire des mèches, à l'exception du lin. Le lin, c'est le seul arbre permis. Sauf que le lin, comme on a dit, c'est pas un arbre. La Mishnah s'est permis d'utiliser un terme pareil, parce qu'il y a un pasouk dans Yehoshua, « Patit menen bepishte haetz », une histoire avec Rachav Azona, lorsqu'il y avait eu, les deux explorateurs qui étaient venus pour voir la ville de Yericho, elle les avait cachés, elle les avait camouflés, parce que la police les cherchait. Et puis, c'est dans Yoshua, au début de Yoshua, Yoshua Bet. Et puis, il y a marqué là-bas, Vatitmenen bepishte haetz. Elle les a cachés dans le. Il a fallu les camoufler. Elle les a dissimulés, cachés sous du lin, des bois de lin. En fait, comme le lin, apparemment, je n'ai jamais vu comment ça pousse concrètement, mais c'est fréquent, on le rencontre dans la Gemara, c'est des épis qui sont très hauts. Et donc du coup, on les appelle des piches, des hets, des bois. Même si concrètement, c'est pas du bois, d'accord? En deux mots, la Mishnah me dit donc, finalement, tu peux allumer que avec, tu allumeras avec aucun arbre, aucun produit de l'arbre, d'accord? Que avec soit du lin, soit du coton, soit ce qui provient en général de... D'accord. Et la Mishnah continue en m'enseignant, si déjà je t'ai parlé de Yotze Min Haetz, sauf le Pishtan, alors je t'en prends une autre halakha. Je traduis d'abord. Tout ce qui provient de l'arbre ne sera pas, ne deviendra pas impur par la Toumat Oel, par la Touma, littéralement la Touma de la tente, et la Pishtan, à l'exception du Pishtan du lin. Très succinctement, parce que là, c'est un sujet qui touche à Masechet Oalot, dans Taharot. On explique très rapidement. Vous savez bien, vous connaissez la règle, lorsqu'il y a un mort dans une pièce, tout ce qui se trouve dans la pièce devient impur. D'où la difficulté pour les Kohanim à partir, par exemple, à l'hôpital, si toutefois il peut y avoir un mort dans l'hôpital, il ne pourra plus rentrer. Et d'accord? Parce qu'il est Nitma Beoel. Là, l'impureté se fait communiquer par la tente. Maintenant, un OL, une tente, donc qui va propager l'impureté à tout ce qui se trouve en dessous, on peut le voir soit, d'abord, soit comme un toit en béton, ou bien on peut avoir aussi une cabane en bois, ou bien on peut encore avoir
une vraie tente, tout simplement, une vraie tente en lin. Bien, la Mishnah m'enseigne une halakha particulière. Sache que, maintenant, précision, lorsque je deviens, imaginez, j'avais construit une petite cabane en bois, et il y a un mort dans dans un coin de cette cabane, et il y a des objets purs, qui étaient purs initialement, qui se trouvent de l'autre côté. Lorsque le mort meurt, il communique son impureté à tout ce qui se trouve dans cette petite cabane. Mais la cabane elle-même, elle ne devient pas impure. D'accord? Autant que le béton de ma maison, il ne va pas devenir impur. Je n'ai pas besoin de le purifier ensuite pour qu'il devienne pur. Et la Mishnah vient, tu sais, en réalité, lorsque tu vas rendre impur par le OL, ce qu'on appelle par le fait de faire tente, d'abriter, quoi, eh bien, tu ne trouveras une situation où la tente elle-même devient impure que si tu as fait une tente de lin. C'est-à-dire, si tu as tissé, t'as construit une tente en lin, eh bien, dans ce cas-là, tout ce qui va se trouver dans cette tente, ça va devenir impur, et même la tente, il faudra l'asperger, lui faire la purification. À l'exception, par exemple, si tu l'avais fait en coton, tsemer geffen, eh bien, dans ce cas-là, la tente ne deviendra pas impure. Elle rendra impur tout ce qui s'y trouve, mais elle-même, elle ne deviendra pas impure. Ce que la Mishnah m'a dit, quoi, la tseménès, tout ce qui provient de l'arbre, ou des végétaux, en fait, et non mitame tumato alim, il ne va pas lui-même devenir impur par la tumato alim, par le fait qu'il a été OL sur un mort, et la pishtan, à l'exception du pishtan du lin. On a fini avec le premier sujet du lin, et puis maintenant on entame le deuxième sujet, qui concerne la ptilata beged shekipela velo yivava. On parle ici d'une ptilata beged, une mèche de vêtement, shekipla, qui l'a pliée, velo yivava, sans la faire, comment dire, la faire brunir, la faire griller un petit peu au feu. Je vais expliquer bien sûr, mais d'abord je salue la Mishnah. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer enseigne, sache que cette mèche-là, Tmea, elle véhicule encore l'impureté, Ven Madelikinba, on ne pourra pas allumer avec elle. Tandis que Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva enseigne qu'elle est pure, Tehora, on Madelikinba, et on pourra même l'allumer. On comprend pour le moment rien, bien évidemment, et on explique. C'est quelques petites règles à connaître. Ça touche aux lois de Touma Vetara. Si vous avez constaté, c'est pour ça que j'ai voulu faire la Mishnah d'abord, pour qu'on constatiez qu'il y a deux machlokotes. Une machloquette sur cette fameuse mèche un peu bizarre qu'on a du mal à comprendre de quoi on parle. Une mèche qu'on a pliée mais qu'on n'a pas fait passer au feu. Et selon Rabbi, il y a deux halakhot qui en découlent. Est-ce que cette mèche, elle véhicule une impureté et est-ce qu'on peut allumer par elle? En réalité, les deux sujets sont liés. Et on explique un petit peu mieux de quoi on parle précisément. On va le faire doucement, doucement. Tout d'abord, Touma Vetara. Un vêtement véhicule une impureté parce que c'est un kli. D'abord, peut-être, on va le dire de manière plus générale. Ne peut véhiculer d'impureté qu'un vêtement ou un aliment. Moi, j'en parle pas. Je peux exclure une matière brute qui n'est pas un ustensile. Ouais, qui n'est pas un ustensile, ne véhicule pas d'impureté. Que ce qui est construit qui est un ustensile, véhicule une impureté. Un ustensile, c'est un objet qu'on utilise tel quel. À exclure toutes sortes de combustibles. À exclure du bois qu'il va falloir que je fabrique pour le moment un bois à l'état brut, une matière première en fait. Les matières premières, par exemple, ne véhiculent pas d'impureté tant qu'on n'en a pas fabriqué un kli, un ustensile. D'accord? Principe simple. Donc vous avez une bûche de bois pour le moment, ça ne véhicule pas d'impureté. Même si vous la coupez dans l'intention de faire des petites bûches pour la faire griller dans la cheminée, ça ne véhicule pas d'impureté, parce que ce n'est pas un ustensile. Si vous allez prendre la bûche de bois, vous allez maintenant la creuser un petit peu pour en faire un ustensile pratique, et là, ça devient un ustensile, ça va véhiculer l'impureté. D'accord? Selon ce principe maintenant, une mèche n'est pas impure, parce qu'une mèche, ce n'est pas un ustensile. C'est comme un combustible qu'on brûle. Ça n'a pas une torah de kli, ça n'a pas une définition d'ustensile. Lorsque je vais prendre un vêtement, le sujet de notre Mishnah maintenant, c'est que je vais prendre un vêtement et je vais en fabriquer une mèche. Imaginez, je prends ma chemise entièrement, ouais, c'est un peu trop gros quand même, une chemise entière, mais bon. Imaginez un petit vêtement, je l'ai prise et j'en ai fabriqué une très grande mèche pour la brûler. Comment je l'ai fabriquée en mèche? J'ai juste bien plié, bien roulé, mais elle est encore là. Si j'ai envie, finalement, demain, je peux encore la défaire et récupérer ma chemise. Lorsque je la plie pour en fabriquer une mèche, elle ne devient pas impure.
Excusez-moi. Elle continue à véhiculer l'impureté parce que pour l'instant, ce n'est pas encore une mèche, c'est un vêtement. D'accord? Même si tu l'as plié avec l'intention. Si tu veux le rendre en mèche, concrètement, tu l'as plié, tu l'as roulé, il faut que tu la fasses passer au feu un petit peu. C'est quoi le principe de la passer au feu? Entre parenthèses aussi. C'est pour que la mèche prenne bien ensuite, qu'on puisse l'allumer facilement. Eh bien, il faut l'allumer d'abord avant. Aujourd'hui, à notre époque, nos mèches, en général, elles sont déjà prévues pour qu'elles s'allument facilement. Mais initialement, ceux qui fabriquaient les mèches d'eux-mêmes avec le fil, eh bien, si on veut qu'ensuite cette mèche, et des fois la mèche, elle a du mal à s'allumer. Pour qu'elle s'allume bien, il faut l'allumer et l'éteindre tout de suite. D'accord? C'est ce qu'on appelle être mehavhev. On l'a fait brunir. Maintenant, le feu, il va pouvoir s'allumer facilement sur cette mèche. Je reprends maintenant le sujet de. Donc, si je prends maintenant mon vêtement, je vais le rouler, je vais vouloir en fabriquer une mèche. Je ne l'ai pas coupé, je peux en récupérer ma chemise. Ça n'a pas encore un statut de mèche. Je la fais passer au feu, ça va prendre un statut de mèche. Ça, pour le moment, c'est une donnée bien admise par tout le monde, même par les deux avis, même d'après Rabbi Eliezer, comme tout comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva comme Rabbi Eliezer. D'accord? Pour le moment, si c'est un vrai vêtement. Si c'est un vrai vêtement, tu l'as plié, c'est encore un ustensile. Pourquoi? Parce que tu peux récupérer ta chemise. Maintenant. Si tu vas prendre un petit bout de tissu qui a encore un statut de vêtement, alors là c'est un peu plus compliqué, mais un statut, il a un statut de vêtement, un tissu, il a un statut de vêtement, et même s'il a une toute petite taille de chaloche à le chaloche, ce qu'on appelle 3 doigts sur 3 doigts, ouais, un petit carré qui fait 3, une largeur de 3 doigts, un petit carré, il a un statut de vêtement parce que les gens pauvres utilisent ce petit bout de tissu pour en faire tlaï les begadim, pour pouvoir, s'ils ont un trou dans leur pantalon, ils vont le coller. Comme avant quand on était petit, des fois on avait des genouillères pour camoufler les trous. À force de jouer au bi par terre, ça déchirait les pantalons, donc on mettait des genouillères. Et il y avait donc le pauvre aussi, il utilise un petit bout de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, c'est un statut de vêtement. Mais vous comprenez bien que c'est un statut très négligeable. C'est un vêtement très négligeable. On n'a pas beaucoup d'intérêt sur un petit bout de tissu, si ce n'est qu'on peut le sauver. Dès qu'on a décidé de prendre ce bout de tissu pour en faire une mèche, et on va le rouler. Est-ce qu'il est déjà devenu une mèche ou il faut nécessairement le passer au feu? C'est là la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, c'est devenu une mèche, ça y est, c'est fini. C'est devenu une mèche. Même si tu ne l'as pas passé au feu. Parce que c'est un petit bout de tissu tellement négligeable que si elle avait une taille exacte de 3 doigts sur 3 doigts, tu n'as rien d'autre à faire. Dès que tu as décidé d'en faire une mèche, tu l'as plié, ça y est, c'est devenu une mèche. Selon Rabbi Eliezer, non, c'est pas encore une mèche parce que tu peux encore le récupérer. Jusqu'à ce que tu le passes au feu. Ça, c'est pour la première discussion, c'est tamé ou tahor. C'est-à-dire, tamé ou tahor, impur ou impur, ça veut dire, est-ce que ça véhicule une impureté? Ça peut la véhiculer, pas que c'est forcément impur. Est-ce que ça peut véhiculer l'impureté? Donc Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer va me dire, tu sais quoi, je reprends depuis le début maintenant. J'explique, en sautant pour le moment l'histoire d'allumer les neurones ou pas, c'est encore une autre histoire, c'est un peu plus compliqué. Je traduis pour le moment. Petit là, une mèche de vêtements, donc conçue à partir d'un bout de vêtement, de 3 doigts sur 3 doigts exact, comme dit le Barthénora d'ailleurs, qui est là, Velo Yvhava, ou Bebeget, Metsum. On parle d'un vêtement qui a 3 doigts sur 3 doigts, une taille de 3 doigts sur 3 doigts uniquement, un petit bout de tissu. Velo Yvhava, il n'a pas passé au feu pour la faire brunir. Eh bien, Rabbi Eliezer Omer, Tmea. Rabbi Eliezer va nous dire, sache que pour le moment, c'est encore impur, c'est-à-dire ça véhicule encore l'impureté. Ça a gardé son statut de vêtement. Et ça va être la cause de l'histoire de l'allumage, mais on va expliquer dans quelques secondes. Et tandis que Rabbi Akiva, il va me dire, non, Théora, ça y est, c'est devenu pur maintenant, c'est plus un ustensile, c'est plus un vêtement, c'est une mèche, et une mèche, c'est pas un ustensile, donc ça véhicule pas l'impureté. L'histoire maintenant d'allumer ou de ne pas allumer, on parle d'un cas très particulier. On parle en fait qu'on est dans un Yom Tov, veille de Shabbat, comme ça va être le cas pour Pessah, pour les Français. Il va y avoir 2 jours de Yom Tov après Shabbat. Maintenant, ils ont besoin d'allumer, ils vont devoir allumer les Nérot depuis Yom Tov pour les allumer pour Shabbat. Sur ça, la Mishnah vient, elle me dit, ben, tu sais quoi? Dans un cas pareil, tu n'allumeras pas t'allumeras pas une telle mèche selon Rabbi Eliezer. Et là, il faut expliquer un petit peu mieux. Tout d'abord, on va faire une petite parenthèse. C'est l'histoire de est-ce que Madlikin Beshivre Kli? Il y a une halakha pendant Yom Tov que Nolad Assour. Pendant Yom Tov, quelque chose qui est né pendant Yom Tov, il est interdit.
D'accord? C'est une forme de mouktsé. Vous connaissez le principe de mouktsé, il y a des choses qu'on a l'occasion de parler longuement dans Shabbat. Mouktsé, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu d'intention explicite de l'utiliser. Shabbat, de manière générale, on peut utiliser que ce qu'on a dans l'intention de l'utiliser, pas quelque chose des choses nouvelles qui ont été créées ensuite, qui n'étaient pas initialement prévues. Ça, c'est vaste comme sujet. Il y a maintenant. Imaginez, vous avez un stander, un beau morceau en bois. D'accord? Il y a une belle plaque en bois. Pour le moment, c'est mon stander. Il tombe pendant Yom Tov, il se casse. Au point où j'ai plus rien à faire avec ce stander, maintenant il est mort. J'ai besoin de combustible. Est-ce que je peux prendre son bois pour aller le brûler et l'utiliser comme combustible de mon four? La réponse, elle est que non. Parce que Shever Kli, les nolades. Un Shever Kli, un ustensile cassé, l'objet maintenant, le morceau qu'on va récupérer, eh bien, ça s'appelle un morceau qui était né, qui vient de naître, qui n'existait pas initialement. Je n'avais pas l'intention d'utiliser mon stander pour le brûler. De ce fait, je ne pourrais pas utiliser le bois qui va venir de ce stander pour le brûler dans mon four. D'accord? Ça, c'est la première notion. Entre parenthèses, c'est exactement ce qui va se passer ici avec l'histoire de la mèche. Mais il manque encore quelques petites introductions. Mais la mèche, en fait, si elle n'a pas encore un statut de mèche, alors il va s'avérer que lorsque tu vas commencer à l'allumer, alors elle va prendre son statut de mèche, mais elle va arrêter d'être un vêtement. Et quand tu vas continuer à l'allumer, il va s'avérer que tu vas utiliser un Shever Kli. Mais je laisse ça de côté parce qu'il manque une introduction super importante. Et à part ça, il faut allumer, lorsqu'on allume les Nerot de Shabbat, selon cette Mishnah, c'est discuté dans la Gemara, mais lorsqu'on allume dans la Mishnah, on allume une mèche, il ne faut pas se contenter d'allumer le feu, on l'a déjà évoqué, pas se contenter d'allumer un petit peu le feu. Il faut allumer et laisser la main dessus jusqu'à ce que la flamme va bien s'enflammer, va bien monter. D'accord? Maintenant, on va compiler les deux à la route. Il s'avère que, imaginez que j'ai... On va pas parler pour le moment sur le petit bout de tissu. On va parler d'un cas, un ustensile, que je vais vouloir allumer pendant... je vais pouvoir l'allumer pendant Yom Tov. Je veux l'allumer. Un cas simple. Un ustensile que je veux brûler pendant Yom Tov. Ben, pour le moment, c'est un ustensile. Je peux prendre mon stander et décider de le brûler en tant que combustible. Mais s'il se casse, je ne pourrais pas utiliser un bout de bois comme combustible, parce que maintenant, j'ai plus le droit d'allumer un Shever Kli, un ustensile cassé. Maintenant, imaginez maintenant que je prends mon plateau du stander, je le mets au feu, je commence à le brûler, mais je continue à le manipuler, même pendant qu'il est dans le feu. Et c'est vrai qu'il va y avoir un moment où le stander va arrêter d'être un stander, et ça va redevenir un vulgaire morceau de bois, et ce morceau de bois, je ne pourrais plus le manipuler, parce que c'est un morceau de bois qui vient de naître, qui vient d'exister, qui n'existait pas initialement en tant que morceau de bois. De ce fait, je peux utiliser peut-être un Shever Kli, je peux utiliser un ustensile que je peux brûler, mais je peux pas, mais ensuite je ne pourrais plus déplacer ces braises par exemple. Ok? Maintenant on arrive à l'histoire de la mèche. Vous vous rappelez cette mèche là qui nous fait 3 doigts sur 3 doigts? Pour le moment, selon Rabbi Eliezer, c'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu, donc ça véhicule encore l'impureté, c'est un bout de tissu même si on a fabriqué une mèche. Tu vas commencer à la brûler. Maintenant, pendant Yom Tov, parce que tu vas vouloir en faire une mèche pour allumer ta fiole d'huile, eh bien, tu vas l'utiliser. Alors, si tu pouvais l'allumer et retirer ta main, il n'y aurait aucun problème. Tu as allumé ta mèche, et tu as allumé ta mèche, puis après, la mèche, elle a arrêté d'être un ustensile, c'est devenu une vraie mèche, et c'est pas grave, tu ne l'utilises plus, tu n'es plus en train d'actionner, d'en faire une quelconque action avec elle. Mais si toutefois, mais puisqu'on a une halakha qu'il faut laisser la main, on continue à allumer jusqu'à ce que la flamme va monter. Or, dès que tu vas commencer à approcher ta main, tu vas commencer à la brûler même un tout petit peu, elle va arrêter, ce bout de tissu qui était un vêtement, il va arrêter d'être un vêtement pour devenir une mèche. Or, tu n'as pas le droit de retirer ta main parce que tu dois continuer à l'allumer jusqu'à ce que le feu va bien monter. Il s'avère donc que tu es en train d'utiliser un Shever Kli pendant Yom Tov. Donc en fait, la Mishnah vient de me dire, tu sais, un Yom Tov qui tombe veille de Shabbat, eh bien, tu ne pourras pas prendre une telle mèche, même si tu l'as préparée depuis avant Yom Tov. Puisqu'elle n'a pas un statut de mèche, maintenant tu vas lui annuler le statut de mèche pour la transformer, le statut de vêtement pour la transformer en une vulgaire mèche pendant Yom Tov, et après tu vas continuer à allumer cette mèche que tu viens de créer, tu n'as pas le droit d'allumer un Shever Kli. C'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva lui nous dit non, dès que tu l'as plié, c'est devenu une mèche.
Si c'est devenu une mèche, tant que c'est plus un vêtement, si c'est une mèche, tu as le droit de l'allumer pendant Yom Tov, il n'y a plus de problème. Vous avez compris le principe? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, ça va.